À mon avis, ça va partir sur un grand PS2 ou un petit Smashville. PS2 Smashville, ouais. C'est un match-up. Il y a des chances que ce soit peut-être BF. Non, BF, non. Alex, il voudra jamais jouer sur BF s'il joue Greninja. Parce que PS2 Smashville, éventuellement. C'est un perso des, du Space. De toute façon, contre Grun, tu bannes DF. Hein? Tu bannes DF contre Grun. Ouais. Tu bannes quoi d'autre? Tu vas bannir, regarde, sur les 5 terrains. Peut-être TC, non? Ah non, c'est pas y un starter. Il y a Lilat, mon gars. Et Lilat, c'est pareil. Ah, genre, Lilat, c'est mort. T'as c'est FD. Pas de plateforme, donc ça, clairement. C'est super fort pour Grun. BF et Lilat. Je pense que Alex va pas vouloir jouer dessus. On va se retrouver sur un de ces deux-là. Ok. Coup de PS2, de toute façon, en vrai. PS2, c'est classique. C'est en starter. Est-ce que Léon veut jouer à chat avec un Greninja qui passe son temps à courir et faire des. Ah ouais, et c'est là où Smashville pourrait être intéressant parce que du coup ça donnera peu d'espace. C'est ça. Mais du coup, d'un côté ça donnera peu d'espace et du coup ça permettra pas trop à Alex de s'échapper. Mais ça donnera aussi l'éventualité d'Alex de pouvoir constamment mettre de la pression sur Léon en fait. Vu qu'avec un stage aussi petit que Smashville. Ouais. À voir. Alors que je pense que Town City sera assez intéressant pour les deux. Ils vont partir sur PS2, voilà. PS2 du coup, ouais, comme tu t'y attendais. Ce sera meilleur pour Greninja. Ouais. Je pense que de toute façon, c'est les Parisiens. PS2, ouais. c'est la mise en bouche. C'est PS2, c'est la mise en bouche. Ils n'ont rien à foutre des match-up et tout ça. Bah alors, ah bah on fait pas son tag. On fait pas son tag. Oh là 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 là. Alors est-ce que Alex va faire son fameux tag? Le tag de la controverse. Le fameux N point d'exclamation G. Le tag pour les Nigo. Voilà, les Nigo. Pour les vrais Nigo. Pour l'instant, c'est Léon. Léon, ouais, y'a pas de soucis. Sobre, classique. Léon SSB. Voilà. Léon qui joue. Ah, il joue sans le tap jump maintenant, Léon. Je savais pas. Je savais pas qu'il jouait avec le tap jump tout court, moi, mais. Et voilà. Bon, pour moi, il a toujours joué en config normal. Et ouais, comme quoi. Hein. Peut-être que c'est plus opti pour le Sina, je pense, hein, ouais, mais. S'il vous plaît, Spiros, il a fait son premier tournoi en étant sponsorisé. Il a fait une deuxième. Ça demande d'applaudir pour Neros qui a quand même fait une super perf en battant Dia, il me semble, et d'autres. Ouais. Ah, clairement, son Pikachu qui a fait des étincelles sur le stream il y a peu. Tout à fait. Il a donné du spectacle. Il a donc, clairement donné du spectacle. Hein. Il a son même son match upset Jeda tout à l'heure. Ah, ça aurait été bien ça. Mais ouais, son match contre Dia qui était vraiment un plaisir à regarder. C'était au fil du rasoir et vraiment c'était très très agréable. Et du coup, ça a enfin fait les tags. Ça va partir sur PS2. Voilà. Bon, c'est bon, on va enfin avoir droit à du jeu. Voilà, ça retire sa veste, on met bien en valeur le t-shirt. Suprématie Alex. Et il a pas de sponsor, il me semble, Léon. Ah si. Ah bon? Ah oui, c'est le secret le mieux gardé de tout Paris. Sponso, tout le monde le sait, personne le dit. Très bien alors. Ah non, je sais, il m'en avait parlé, il a dit mais moi non. J'adore Terry. Voilà, non, c'est ça, voilà. Okay. Oh non, ça m'aurait fait trop bien, je savais. Ça m'aurait fait marrer un putain de Terry en top 6, tu vois. C'est incroyable. Mais bon, écoute, hein, c'est parti sur PS2. PS2, c'est parti. Attends que la. Si on peut avoir l'écran en grand, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est parti, dash attack and smash, un petit 30% déjà. Pour l'instant, voilà. Alex qui prend l'ascendant, mais vraiment rien de très fou. Ça va jouer pas mal au tech chase, je pense, en vrai, ce match. Les deux sont excellents, sont très très bons en tech chase. En vrai, j'ai hâte de voir ça. Ça va pas punir le upbi de Léon. Voilà, là, Léon qui rentre dans le FR. C'est son stage. Commence à prendre le contrôle du terrain. On respecte le upbi. On respecte le upbi parce que c'est pas quelque chose qu'on peut tant que ça aller edge guard. De backer, mais qui va se prendre ce smash et qui va tuer. C'était pas trop, mais ça a bien marché. Une stock prise extrêmement rapidement, mais déjà l'ex off stage. Léon qui s'est laissé l'ash run. Ouais, j'ai pas. C'est dommage, il avait pas posé d'avantage. Backer d'un spécé qui sera pas puni. Alex qui shark au-dessus de Léon. Voilà, ça y est. Là, on est dans la phase où Alex est ouais, il a les capacités, il a le droit. Hein. Ah, belle patience de Lex qui s'attendait à un Beat of Shield. Voilà, ça gratte des pourcents encore une fois. Lex qui a juste. Il a attendu. Juste les menacing. Pour l'instant,
Et donc il y a beaucoup de mal à garder Alex au ledge. On met de la pression, un peu de pression sur les shields, mais des hubs un petit peu précipités. Alex qui est très très patient au niveau de, des rythmes de saut de Léon. Encore une fois ce B. Léon qui s'amuse avec ce B, mais clairement on n'est pas sur Battlefield. Pas du tout. Hein. La tentative guard, belle beau back air qui est trouvé. C'est quand même 125% pour Léon. Et c'est le nerf air qui l'a pas tué. J'aurais vraiment parié. Les blast zones sont assez basses, enfin les blast zones sont assez écartées, non? Bah c'est surtout que le terrain est gigantesque. Oui, oui, c'est bien ça, donc il était très très loin de. Si t'es à l'edge, c'est à peu près normal. Enfin, si t'es au bout du terrain, tu vas jamais tuer. Oh là là, la phase de jiggle. Allez, de Léon. Encore un père, non? Ouais, 70%. Ouais, clairement, ça. Un deuxième, un coup, ça marche. Là, là. Hein. Et Lex n'est pas au point sur les punitions d'LB de. Double nerf, encore 4, écoute, et ça marche hein, donc. T'en vas la cruche à l'eau comme faire. Oh bien la vu, tech belle présente, tech. Deuxième tech, tech. Oh là là, c'était allez. Tellement propre. Léon qui était tellement présent sur cette phase d'Edgeguard. On est retour des pourcentages similaires. Lex pour l'instant est encore en train de jauger hein. Il a pas terminé sa phase de d'évaluation de son adversaire. Par exemple, ouais, pour ses premiers matchs, il est plus en train de jauger et il joue plutôt passif pour voir les patterns de Léon. Quelques petites phases, mais dans l'ensemble, voilà, il est très patient. Sauts. Léon aussi. Clairement, les deux joueurs sont extrêmement patients, ça se voit. Bien vu ! Ça tue. Un seul compte de la game et c'est celui qui kill. Très très bien vu de la part de Alex. Très bien joué. Très très bien joué. La bonne direction en plus. Ah bah clairement c'était celle qu'il fallait faire. Et il est mort à quoi? 110 en 110, plus. 110 ouais hein. Après coup donc ça très, va. Très bien va vu de la part de Alex. Ah il en a pas fait un seul de la game, mais il a fait le bon. Clairement très bien vu. C'est un BO5 encore une fois ouais. Hein. Tout à fait oui, tout est BO5. Hein. Parfait. Tout est BO5. Même le loser. Même le loser du coup. Ah oui mais c'est tout le top 8 est BO5. Ok hein. parfait. Cancel de nerf, un tour instant counter. J'ai pas vu ça malheureusement. Alors, est-ce qu'on va avoir affaire? De toute façon, y a pas de. Je me demandais si on allait avoir affaire à la légendaire Elexio Switch. Ah. Où il gagne, il change de perso. Je vais voir la mythique pitch de pitch de Léon. Alors, pour l'instant, la pitch de Léon. Non, clairement, je ne pense pas qu'elle fera l'affaire contre un. Je l'ai pas encore vu moi. Un joueur de la carrure de Elex. J'ai déjà vu son Toonlink. Il a parlé de son Chrome il y a pas longtemps, mais alors. Ah, des bons MP. La Battlefield, clairement. Ça ah, bah, je me dis bien qu'il y aurait un match sur Battlefield, hein, clairement. Ça marche super bien pour Lucina. D'ailleurs, je me demande ce qu'Alex a banni du coup, qu'on se retrouve sur Battlefield. Effectivement, d'ailleurs, il doit banni deux stages. Banni Lailat, soit. Il aurait banni, je pense, ouais, Lailat et peut-être. Ah, je sais pas vraiment. Impossible à savoir. Donc, du coup, là pour l'instant, ça marche pas mal hein, pour les. Ah, le Sour Spot qui va quand même tuer. Ouais. 3%. Pas de soucis, 120%. Nerf air. Alex c'est très bien ce qu'il fait. On peut précipiter ce down air sur le shield. La patience. Oh, c'est incroyable. Ça, la patience. Juste ils attendent. Ça c'est le niveau de mind game là où les deux joueurs savent, ils se connaissent. Ils se connaissent parfaitement, du coup ils savent qu'ils peuvent pas se permettre de whiff ou quoi que ce soit. Là par contre ça va pas tuer. Ah ouais Alex Yao qui se retrouve pas mal bloqué par les plateformes. Hein. Il est pas à l'aise. Ah clairement bah. C'est un perso spacing très vertical hein, Greninja, donc du coup. Mon plateforme j'aide un petit peu du coup. Ça descend très très bas. J'ai un fer. Oh là là, c'est incroyable ces phases. Il a été se jeter. Il arrive à reverse edge guard un mec, c'est incroyable. Ouais. Là le fer qui va prendre la stock. Il va prendre la première stock, mais ouais, mais c'est un peu tard. Et là, le Battlefield qui marche super bien. Hein. Ah bah là. Dommage. Down trop tout rien. Down trop tout, ouais, le fameux down trop tout rien. Se faire fronter. Ah, ce bif touche partout. Ah, bah clairement, il faut pas hésiter hein, quand tu joues Lucina Mars. Alex, un peu de patience, qui continue à juggle F5 avec la plateforme. Ah, non, ça marche oh là pas. Là. Hein. Les neutralaires de Greninja, ça c'est pas safe hein, comparé au HP de Lucina. La Kier, ça se retrouve au stage. Oh là là, Rick. Un dégrab. Ah, dommage, c'est pas puni. C'est ça, pas c'est la dommage. Première fois que Léon se fait chier. Le strum comme ça. Ouais. Je sais pas ce qu'il essaye de faire avec ça. Le faire, ça va pas tuer. Faut faire tout à l'égard de Baker. Oh, belle air dodge. Oh là 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 là.
de pression sur le shield. Ça, ça va pas tuer. Ça va pas tuer non plus, ça hein, le père de Gunjack est pas forcément super kill move. Le F-Tilt qui va remettre off stage. Oh, bien vu! Bien joué ça! Le petit bout de up B qui stay va repousser Lucina. Stay hydrated. Le B. Du coup, c'est jouable là pour les ex. Bah, Léon qui. Ça tombe beaucoup de 100%. Ça se rattrape. Les Air Dodge qui passe. Une super option contre Greninja qui est clairement la vitesse pour continuer à les chase. Et c'est retour à hein, Léon offstage. Et là, et voilà, cette fois-ci, il a dit bon. Allez, offstage en fin de compte, j'ai alors beaucoup que Léon perdu a la chance d'avoir son tir quoi. Oh, ça touche. On va se faire avoir une deuxième fois, effectivement. Léon qui fait bon, bah ok, on fait l'ascenseur, je fais pas de retour, j'ai pas de soucis. Bien, bonne temporisation de la part d'Elex. Ah, ça, ça fait mal ça. Bien joué ça. Ça, ça fait mal. Neutral ah. Air 1. Et le dernier F-Smash qui va marcher. Un partout égalisation de Léon. Pour l'instant, les games étaient serrés, hein, clairement. Ouais. Même sur des stages avec Counter Picks, clairement. Du coup, là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. TC, ouais. Il y a peut-être moins que ce soit sur TC. Ça peut peut-être bien avantager Greninja. Ou un PS2 encore une fois. De toute façon, là, on a du choix. Pour Alex, il y a bah, je pense, PS2 ou TC. PS2, PS2 ou TC en vrai, c'est bien parce que TC, il a, TC ou PS2, dans les deux cas, il a de l'espace. Ouais. Et avec TC, il peut kill un peu plus tôt. FD, sur Kalos, vraiment tous les terrains qui permettent à Greninja juste de faire des full up. Tout Kalos, bien. Je sais pas si c'est super bien pour. Bah, c'est grand, mais il s'en fout. Il s'en fout. Il y a des murs pour les wall jump. C'est-à-dire, de toute façon, Lucina, c'est pas un perso qui va galérer à reco de toute façon. Ouais. Donc, Du coup, c'est reparti sur TC, c'est ce qu'il disait. Pas de soucis. Le fer qui va tuer Cimento et l'Edgeguard qui va très bien marcher. Mais ça peut être également un très bon stage pour Lucina. Hein. Le backer qui va être dévastateur. Le fer backer, ouais. Fer et tout grab. Pour l'instant, les deux n'ont pas de grosses phases pour l'instant. C'est Alex qui a décidé d'être patient. Ouais. Voilà. Il garde le contrôle du terrain, mais voilà. C'est retour en neutral quand même. Neutral air contre neutral air, clairement, c'est Lucina qui a le plus de range. Hein. Ouais, clairement, ouais. Up smash. Voilà, ouais. Bien joué, mais bon, hein. Ça va pas tuer en encore. Plus, hein. Parce que autant blazones sur les côtés sont très courtes, autant celles sur le haut, elles le sont moins. Ouais, ouais. Lex qui tente. Au moins, la prochaine des petites up smash, ouais, ça va passer. Ah bah, ou le nerf fer. Très écoute. Bien joué, il les trouve bien, ces neutral air. Il les trouve très très bien, il y en a eu plusieurs sur le set pour l'instant. Et je pense pas qu'il soit prêt de s'arrêter. Regardez là, il saute vraiment comme une grenouille. Hein. Alex qui joue très patient, qui essaie de rester le plus loin possible de Léon. Il se fait balader de tous les côtés. Bien vu là, le F-throw. Ouais, c'est ça. Ça va pas tuer hein, parce que les F-throw de Lucina, voilà quoi. Position, tentative gauge guard. Ah, le. Ça, je pense qu'il va toujours pas tuer. Là, il va le refaire. Dommage. Ah, ouais, oh là là, bien vu, l'option la plus rapide. Le smash aurait sans doute pas tué. Je pense qu'il aurait tant de shield. Et squeak 50% de la part de c'est gratuit. De Alex, c'est gratuit. Faire, ouais. Allez. Ah, ça marche pas. Allez, hein. Le mix-up avec le side B, c'est vraiment impressionnant. Alex qui jauge bien à mi-distance, tu vois. Il reste assez loin de la portée de Lucina. Et qui mix-up, et ses mix-up, voilà. Ouais, ça. Ouais, hein. Il fait souvent des. Oh là là, nerf up smash encore une fois. Ah, mais ça tue encore pas, hein. Donc, ça a pas tué non plus ça. Ouais voilà ça. Ouais. Non, le père là c'était juste il était trop. Il était trop. Ouais, d'accord. Genre vu que Greninja c'est le perso avec la meilleure jump 8. C'est pas Falco de catch. Tu vrai que c'était Falco. Non Falco c'est le deuxième. Là. Ok. Greninja c'est. Falco c'est un oiseau, ça vole mais Greninja c'est une grenouille. Ça saute bien. C'est logique. Normal. C'est normal. Du coup Alex voilà. Qui va pouvoir avance, temporiser hein. Un petit peu. Regarde ça, il passe son temps à full up, hein, vraiment. Ah bah parce que Lucina a pas ça. En étant en flottie, Lucina peut pas forcément aller la chercher directement en fait. Du coup, c'est ça pas va évident, mettre. Hein. Une personne qui saute aussi haut, faut vraiment que tu colles son full up et que t'ailles le chercher en upper. Sinon, Ouais, c'est pas forcément quelque chose que Lucina peut faire étant donné qu'elle est qu'elle descend lentement. Bah, tu vois, c'est safe. Encore une fois, un deuxième voilà. Qui sera puni cette fois. Léon s'y attendait. Le fer qui va récupérer au stage. Ah, clairement, là, Léon qui a. Et là, ça tue, non. Ça va pas tuer, je m'y attendais pourtant, TC hein. Sauf que. Oh bien joué ça, très beau mix-up de la part de Léon. Qui a préféré Rico High. Il est serein, Alexio.
Ah non, là, bon. Ça faut tenter pas Alex, de, ça, pas de rôle de la ça, panique. Oh, c'était pas une super Adolf ça. Dommage. Il était trop agressif, trop pressé. Alex, il est. En fait, il avait vu Alex au milieu du terrain, il a fait. Je vais pouvoir revenir sur le terrain tranquille, pas être ce décalage. Ouais, non, Alex, tu peux pas faire ça quand t'as peur aussi rapide que Runja. Il a envoyé sa pizza. Ouais. Et l'Ardolge a un petit peu précipité. Un Battlefield, hein, le retour du coup, hein. Ça marche bien. Bah, j'irai demander à Alex. Enfin, ça marche bien, mais c'était quand même très très serré sur Battlefield, hein, qui était pourtant le counterpick de Léon. C'était pas serré du tout, hein, sur Battlefield. Ah, autant pour moi. C'était un stock bas pour cent, mais en tout cas, genre pour moi. Clairement, Léon a jamais lâché l'ascendant une fois quand ils étaient sur. Mais du coup, le problème c'est que si Léon gagne cette game, ça va retourner sur une game 5 avec counter pick pour Alex en stage. Bah, c'est encore ça, c'est ça. Ça, c'est compliqué quoi. Et le problème c'est que là, en fait, dans la stagiste qu'on a, il y a 4 grands terrains ouverts entre PS2, Kalos, TC et FD. Bah là, on va être obligé de retourner sur soit TC, soit Kalos parce qu'il est obligé de ban FD. Oh là là, ce gros. Bien pari ça de la part de Léon qui va remettre Alex off stage. Le down tilt qui va tenter. Pour je garde. Très bonne temporisation, mais. Oh, ça marche quand même. Vu, hein. Léon qui lâche pas l'ascendant, il a toujours le momentum. La belle patience. Il a l'air à toucher le sol. Hein. Ah, voilà. Ça y est, il a trouvé. Oh, c'est bon ça. Ouais, par dommage. Contre, ça, c'est un backer qui est complètement. Bon, écoute, il a pas lâché son momentum. Ouais. Léon qui est toujours au ledge. Ouais. Le up B qui a été fait en préventif, on va peut-être se prendre le coup. La douche froide. La douche froide, hein, la fameuse. Et sa très belle DI de Léon. Très bien joué de la part d'Elex qui vient de remonter en une phase. Ouais, clairement, c'est vrai qu'il avait un désavantage de 100%. Et on est à totalement even %. Et ça va tuer. Là, ouais, le down tilt, bien trouvé. Le détil qui envoie pile à la verticale là. Ouais. Ça fait mal. Ou ça aussi, ça fait mal. Temporis qui fait des mix-up pour mettre la pression, mais Alex qui s'est pas fait avoir du coup, qui est de retour au milieu du terrain. Ouais, ça tente de chercher les moyens de raquer du confort, des dash attack up smash, ça ne touche pas le neutral air qui va pas toucher. Ah, c'est dommage. Eh, bien vu ça. Ah non, il est trop pour cent pour ça connect. C'est ça. Faut mixer, faut changer son vrai side B3 si tu veux. Oh là là, ça va toujours pas tuer. Ouais, non, là faut pas déconner. Le double jump un peu gourmand de la part d'Alex. Ouais. Ça va monter les pourcents, mais le backer qui va directement interrompre. Petite phase des grab release, ça c'est les joueurs de rôle. Hein. La dash attack, c'est pas safe and chill. Léon le sait, Elexiao le sait maintenant aussi. Tech chase de voilà, tech chase de Léon. Garde quand même un contrôle du stage. Le coup du parasol hein, qui protège bien Léon là. Une plateforme, Alex a beaucoup de mal à atterrir. Ah, si c'est pas tech, ça va être puni par un fer. Oh là. Oh, très bien joué, il a attendu. Là, il a attendu, il a parfait, pas attaqué, il est descendu. Là. Mais ouais, mais Léon, là, il. La distribution des shurikens. Voilà, on a fait le tour. Alex il passe son temps à s'éloigner de Léon, ça va connecter une fois. Ah, et ça touche. Parce que bah, dès qu'il a encore un corps, c'est compliqué quoi. Ah, dommage. Un peu beaucoup de shield hein. Bah oui bah en même temps la pression, quand le perso en face a une épée t'as pas vraiment envie de laisser ta hitbox. Ah, clairement pas. Ah, là, là, Léon qui avait une grosse phase d'avantage là. Ouh là 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 là, c'était whiff au pas passé. Ah ouais là ça c'est Léon ça. Ouais. Le side B1 ça va pas tuer. Non. Le side B pour provoquer la panique chez son adversaire. Il a dodge. C'était quoi ça. Aïe. Égalisation de Léon de 2. Ouais. Mais là du coup c'est là que ça va être compliqué. Parce que là soit on retourne sur PS2, soit on retourne sur TC, soit on retourne sur Kalos. Le choix de terrain qui va être crucial. Je pense TC hein. Je pense TC parce que ça reste quand même un bon stage pour ça reste quand même un bon stage pour Lucina. En tout cas le moins pire en l'occurrence. Aucun intérêt. Ça va jouer sur cette game 5. Oui, je suis à fond là, je suis à fond. Ça va jouer sur cette game 5. Pourtant, le match était quand même à sens unique sur TC en game 3 pour EX. J'ai hâte de voir si Léon va pouvoir s'adapter. Il donne trop tout dashback. Lex Xiao qui. Les vrais mix-up. Le jab. Prudent. Non, la roll derrière, hein, bien sûr. Classique, la phase officielle. Voilà Léon qui se rappelle qu'il a un neutral air.
Le truc étant donné que c'est vu que le Greninja est low profile, c'est compliqué de neutre à l'air à part pour catch un saut. Bien spécé ça de le faire sur le shield de Elex. Aïe. Encore une fois ça va remettre off stage. Donc il perd l'avantage. Non. Putain, Elex qui space super bien ses fers sur le shield de Léon. Léon pour l'instant qui a un beau retard hein. Là on est sur la phase pour la prochaine minute, là il n'y a plus de plateforme au-dessus du terrain donc clairement. Là c'est le moment où la Greninja va se faire plaisir, le bon shield break là. Bien vu de la part de Léon. Bon mec j'aurais du seul d'ailleurs, bien vu ça encore une fois. Ah bah ouais hein. C'est pas safe on shield Léon il sert. Léon qui clairement a un énorme avantage. Mais bon, les phases d'avantage de Greninja ça peut aller très vite. Petit trade. Backer qui meuf stage. Léon qui se retrouve dans une position pas très avantageuse mais ça va, il a. À 140 là un backer de n'importe où va tuer je pense. Pro, non, la F-Pro qui va remettre off stage. Xiao à qui garde la distance et puis ça. Oh là là là, bien joué la Oh là là, c'est déjà c'est déjà en retour, il va être pour 100 quasiment. Enfin, dans le sens où. Guard qui va s'arrêter là. Là une phase d'Elex, un petit air-faire risque de tuer. Oh, bien vu. En retard le FR donc. Un peu en retard et du coup ça a permis à Léon. Ah, oui, oh là là, bien vu, c'était intécable. Attends, à 180%, c'était pas possible. Hein. Du coup voilà, le retard est pas aussi énorme qu'au début et le backer qui a été trouvé, très bien joué. Je pensais qu'il attendait un saut mais clairement pas, il a préféré directement backer et c'est de retour à even pourcent, c'est stock que jamais. En fait, il avait vu que Léon était vachement patient sur ses recos. Ouais. Il n'hésitait pas à descendre vachement bas. Il a préféré le surprendre. C'est ça, et vu que Greninja c'est un perso qui peut aller chercher moins. Il a dit bon, ça suffit. Les phases directement, ça a payé. 30% en prix. Sur une dash attack up smash. Il y en a un qui n'a pas connecté, mais Léon qui cache le saut encore une fois avec un back air. Il continue à essayer de passer chercher. Le 7B qui va remettre offstage, qui va gratter quelques pourcents. Elex qui est déjà à 100% environ. Remettre offstage. Elex qui ne touche pas beaucoup le sol actuellement. Il est passé entre les mailles du fidèle, le back air qui va permettre de mettre. C'est compliqué ça. Ah, Elex qui met bien la pression au rebord. Oh, ah, dommage. Dommage, ça c'était. La bonne patience. Oh bah non, mais Elex, enfin. Ah, je m'attendais à un down smash. Léon, c'est ça. Léon qui a tellement plus l'habitude de voir des gens faire des get up attack comme ça, il se fait avoir. La patience de Elex. Et oh, là, oui, ça va tuer, ça va connecter. Excellente phase. Et Léon qui jump. Est la dernière stock du winner. Et c'est Elex qui met déjà une phase à 30%. C'est bon, là, c'est Elex qui est dans le contrôle de la game. Très patient, il sait quand approcher, il sait quand attendre. Il n'y a plus qu'à éviter de rater ses patience, il marche limite. Il a clairement tout avantage à gratter les pourcentages. C'est dommage alors que Léon qui avait commencé sa game avec un excellent avantage. Mais on est revenu. Cash. On est revenu et là, la stock. Tout peut aller très vite. Ah ouais, mais un petit 2-2 là. Entre les deux joueurs classiques. Ah, c'est beau ça. Mais quand même, Léon qui accuse un petit retard. Ça va trade encore une fois et Léon qui retrouve un pourcentage assez critique. Il continue à se faire gratter hein, pour l'instant. Oh là je pense là, que. Le neutre à l'air qui était complètement piffé là de la part de l'ES. Ouais. Pas spécié. Ouais, ça va tuer, ça va tuer. Ouais. C'est la fin. Et Elexiao qui va gagner. Un neutre à l'air pas touché, un neutre à l'air qui touche et qui tue, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut, il faut, hein, il faut. Très bien joué de la part d'Elex. Qui a quand même été assez solide hein, sur ce. Ouais. Sur ce deux joueurs qui ont adoré hein, dans ce match, reset le neutral, reset le neutral. Bah clairement, c'est Léon qui est un peu déçu. Mais clairement, ça se voyait à chaque fois, c'était une question de stage, hein, vraiment. Pourquoi pas.